Mesdames et messieurs, bonjour. C'est encore moi, hein. Je sais que... Mais je vous promets, après ce panel, je vous laisse tranquille pendant tout le reste des Meddays. Je sais que les organisateurs ont voulu me charger au max pour que la prochaine fois je dise non. Mais bon, Inch'Allah, la prochaine fois, je dirai toujours oui. Surtout que, comme vous verrez, comme vous le voyez, c'est la même chose que tout à l'heure. J'ai un panel très bien garni, que ce soit en nombre et en qualité, pour parler aujourd'hui des infrastructures stratégiques, logistiques, parler aussi du Fonds Africa 50 et des PPP, pour voir un peu comment on peut renforcer la compétitivité africaine à partir de ces infrastructures. Les infrastructures, hein, ont ce fameux chiffre de 95 milliards de dollars que la BAD a sorti il y a quelques années revient toujours, hein, quand on parle d'infrastructures en Afrique, pour parler des besoins de financement annuel et bien sûr du gap de 50%. Donc forcément, on cherche toujours des solutions novatrices avec quelquefois des difficultés et quelquefois des solutions intéressantes. Aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde parle des PPP, tout le monde essaye de nous vendre les PPP, mais est-ce que ces PPP sont réellement la solution africaine? Ça fait partie des sujets qu'on va discuter. Également, le rappellera aujourd'hui l'interconnectivité, que ce soit en matière d'infrastructure énergétique ou de corridors routiers, est un élément important pour la compétitivité africaine. Tout le monde le dit, les coûts de logistique en Afrique sont importants et qu'aujourd'hui, il faut pouvoir structurer cela, développer des plateformes, interconnecter les villes, interconnecter les régions. Et donc, peut-être que là aussi, il y a des sujets qui devront être abordés et adressé. Donc, on verra tout cela, le cadre réglementaire aujourd'hui, la qualité aussi des projets, les typologies de financement, la qualité des acteurs étatiques, hein, puisque souvent, quand on parle de PPP, il y a des États en face. Et pour répondre à toutes ces questions, on a un panel qui a été bien choisi, puisque ça regroupe à la fois des acteurs du financement, fonds d'investissement ou autres acteurs en capital, des consultants, des juristes, mais également des acteurs de PPP, notamment des investisseurs développeurs. Et donc, on a pour cela, en personne, monsieur, je vais commencer par les plus proches, donc monsieur Benoît Alix, qui est associé de Nodalis, donc un bureau d'études assez spécialisé dans les projets d'infrastructure. Monsieur Marc Tessier-Dorfeuille, monsieur PPP, je dirais, monsieur Club PPP en tout cas, qui aujourd'hui est le délégué général du Club PPP, que ce soit le Club PPP France ou aussi le Club PPP MEDAAfrique, et qui a lancé un certain nombre de clubs, donc qui fait beaucoup de lobbying pour les PPP. Monsieur Alassane Ba, qui est directeur du Fonds Africa 50, un fonds d'infrastructure lancé à l'origine par la BAD, mais un fonds très africain et aussi un fonds que Casa Finance City a le plaisir d'héberger aujourd'hui. À côté, on a Mustapha Mourahib, qui est directeur du bureau Maroc de Clifford Chance. Bien sûr, quand on parle d'infrastructure, il y a beaucoup de sujets juridiques et je pense qu'il nous apportera son éclairage sur la question. Monsieur Omar Yerzgué, qui est directeur général de MedZ, qui est un acteur assez important dans le développement d'infrastructures et notamment dans l'aménagement de zones industrielles, un acteur marocain. Monsieur Roland Jensen, qui est membre du board de Emerging Africa Infrastructure Fund, un fonds d'infrastructure également, donc qui finance un certain nombre d'infrastructures sur le continent. Et j'ai également Monsieur Hicham El Sherif, qui est le chairman de Nile Capital et qui nous vient de l'Égypte, donc de l'Afrique de l'Est. Donc pour démarrer, hein, on va lancer une boutade sur les PPP, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde nous vend du PPP, mais est-ce qu'aujourd'hui les PPP constituent une solution de développement d'infrastructures en Afrique? Quel est l'état des lieux? Où est-ce qu'on en est? Et est-ce qu'on en fait réellement? Est-ce qu'on en parle plus qu'on en fait ou est-ce qu'on en fait? Donc je vais lancer la balle à Marc Dorfeuille pour démarrer, pour lancer le débat sur ce sujet. Alors on en parle en effet beaucoup,
De temps en temps, on pense d'ailleurs, quand on parle de partenariat public-privé, que le privé va tout payer. Et donc, bien évidemment, ça fait rêver. Et il y a beaucoup de pédagogie à faire sur les PPP. D'abord, sur l'Afrique, depuis des années, il y a des PPP. Pour l'énergie et pour l'eau, les concessions ont toujours existé. Pour les ports et les aéroports, ils ont toujours été dans le PPP, même si il y a eu des échecs. Il y a eu des échecs dont il faut tirer aujourd'hui profit. Mais il y a une demande extrêmement forte. Donc, tout ce qui concerne, et je tiens à rappeler un tout petit peu, sans faire trop de sémantique, mais pour la pédagogie au moins des étudiants qui sont là, la différence entre le PPP marchand et le PPP social. Le PPP marchand, c'est celui où la personne privée va financer une infrastructure sur ses fonds propres, la livrer à la personne publique qui lui donnera le droit de l'exploiter et commencera à toucher des revenus par le trafic des usagers pour une autoroute, par le trafic des containers pour un port, par le trafic des avions et des passagers pour un aéroport. Donc on voit bien que le PPP sur les transports est un outil qui existe déjà, qui mérite d'être encore affiné pour avoir aussi des retours d'investissement pour l'État et qui doit accompagner, bien évidemment, la croissance de l'Afrique. Et j'interpelle d'ailleurs, moi qui me passionne maintenant depuis sur ce continent depuis maintenant plus de 5 ans, et j'ai eu le plaisir d'être né à Casablanca par ailleurs, j'interpelle nos économistes en disant « Oui, on a entendu ce matin, on a une croissance de 5 à 10% en fonction des pays africains, donc si on calcule bien, en croissance constante, dans 10 ans, on est à 100%. » Si dans 10 ans, il n'y a pas eu d'investissement dans les infrastructures de transport, d'énergie et d'eau, il va y avoir un gros bug. Moi, je dis même un trou noir, parce qu'à un moment, ça va cogner. Et tous ceux qui ont cru et qui ont mis de l'argent dans des entreprises, si les États n'ont pas accompagné les infrastructures qui vont avec, ils ne vont plus pouvoir progresser, parce qu'ils vont être freinés, tout simplement parce que les routes ne seront pas entretenues, parce que les ports ne nous permettront pas d'exporter les investissements dans lesquels ils ont mis de l'argent dans l'agriculture et la transformation. Donc là, il y a un véritable risque. Mais il ne faut pas négliger, pour des raisons politiques, sur le continent africain, certes, elles ne sont pas bancables, j'en ai tout à fait conscience, les infrastructures publiques, sociales, parce que là encore, la jeunesse africaine ne va pas attendre 10 ans pour que l'on finance des nouvelles écoles, des nouvelles universités et des hôpitaux pour mieux soigner les populations. Et là, il y a des outils à disposition de PPP sociaux, d'inspiration européenne, dont le Maroc vient d'adopter une loi il y a peu de temps, dont d'autres pays africains sont en train de s'en inspirer. Je discutais avec le président des PME de la Tunisie, M. Chérif, tout à l'heure, qui me disait qu'il faudrait aussi qu'en Tunisie, on puisse aboutir à ce type de loi. Et là, par contre, l'avantage de ce type d'outil, sans faire rêver, il faut juste revoir les quelques éléments clés qui, par rapport au marché public traditionnel, permettent d'en voir un intérêt politique majeur pour les populations. Dans une habitude des États ou des collectivités locales, on fait des plans pluriannuels d'investissement sur 10, 20 ou 30 ans. Ce qui est normal, c'est du bon sens et c'est de la bonne gestion. Donc on fait 2% des routes pendant 30 ans pour refaire l'ensemble des routes. On fait une école par an pendant 10 ans et on fait 10 écoles en 10 ans. Et puis il y a un moment où on sent qu'il y a un besoin, une urgence sociale. On se dit, et si je faisais 10 écoles tout de suite, si j'allais voir une banque pour lui dire prêtez-moi de l'argent, et au lieu d'en faire une tous les ans, j'en fais 10 immédiatement, ça répond à un besoin social, on étale une dette sur 20 ans et on rigidifie un contrat dans lequel on met et le financement, et l'entretien, et la maintenance. Et là, je pense qu'on peut apporter une solution qui répond aux attentes des populations et qui permet finalement aussi d'être dans une logique d'équité et d'égalité souhaitée par toutes les républiques du monde. Parce que ça veut dire que tous les gamins vont travailler avec des écoles neuves, avec des outils neufs. Imaginez par exemple, aujourd'hui, sur l'informatisation des collèges. Moi, j'ai découvert qu'en France, il y a encore des départements qui renouvellent 10% du parc chaque année. Ça veut dire qu'il y a un gamin qui va avoir un ordinateur qui a 10 ans et l'autre qui va avoir un ordinateur qui est neuf. Ils ne vont pas apprendre les mêmes choses et à la même vitesse. Il y a des outils aujourd'hui que sont les PPP qui permettent de régler cela. Donc, on en parle beaucoup. Il y a des PPP qui sortent ici et là, certains exemplaires, d'autres que l'on connaît moins. Il y a eu un PPP exceptionnel il y a 4 ans sur les orangeraies et l'irrigation à El Gardanne, qui aujourd'hui peut apporter des solutions dans d'autres pays africains. Il y a le fameux PPP, bien sûr, de la route de Dakar, on reviendra tout à l'heure. Mais en même temps, là, on est dans l'intelligence. Tout le monde dit, tiens, c'est fou de réussir à faire payer les populations dans un hypercentre-ville. Mais la réalité, c'est que quand on fait 2 heures d'embouteillage
en voiture, que l'essence est très chère à la pompe, ben finalement, payer pour rouler qu'une demi-heure, c'est une économie et pour les populations, et pour les petits taxis, et pour les gens. Donc il y a un moment, il faut juste se mettre autour d'une table. Et pour terminer, parce que notamment sur les PPP sociaux, je pense que le continent africain ne mesure pas, et notamment les administrations africaines, la plus-value qu'ils ont au travers du foncier. Le foncier en hypercentre de toutes les capitales africaines vaut beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, plutôt que de vendre du foncier pour dire que l'on va faire des projets pour les populations et finalement que l'argent remonte à l'État et peut-être ne serve jamais au projet, je crois beaucoup à l'adossement de la valorisation immobilière sur du foncier. Je prends un cas d'école, mais vous allez vite me comprendre, pour financer un ministère et espérer que ce ministère dans un pays africain puisse durer 25 ou 30 ans. Vous offrez un foncier à un hôtelier qui va faire un 4 ou 5 étoiles. Au lieu de lui vendre, vous allez me dire « qu'est-ce que je gagne ?» Ben, quand il va construire son hôtel de 25 étages, vous lui demandez à ce que les 4 ou 5 premiers étages soient réservés à l'administration centrale, avec une entrée qui sera de l'autre côté, sauf que l'État va s'offrir un bâtiment public qui va être entretenu, maintenu pendant 25 ans. Alors on peut le faire bien sûr sur un bâtiment, mais on peut le faire en cherchant des recettes annexes par cette valorisation immobilière. C'était le cas dans un hôpital des 15-20 à Paris, où aujourd'hui le foncier est donné à des professionnels qui dépendent, qui sont bien évidemment dans la recherche autour de la vision, à côté de cet hôpital, ça apporte 30% des recettes. 30% des recettes sur 30 ans, c'est en fait le coût du financement. C'est-à-dire qu'en adossant un foncier au financement d'une opération et d'une réalisation publique, on peut, quelque part, par magie, faire disparaître le coût de la dette, parce que tout à coup, il y a des recettes qui vont venir. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas de recette miracle. Le PPP, ce n'est qu'un outil juridique qui permet d'accélérer les investissements, qui permet d'apporter une solution politique, bien évidemment. Il faut, bien sûr, surtout se mettre autour d'une table, en parler. Et le rôle de notre club, mais avec tous nos partenaires, c'est partout il y aura un bon PPP qui va marcher en Afrique, d'aller le faire savoir de l'autre côté de la frontière. J'ai découvert, et c'est ce que m'avait d'ailleurs demandé l'Institut de la Banque mondiale en lançant le club sur l'Afrique, que finalement les ministres africains se parlent peu entre eux. Les frontières sont des vraies frontières du dialogue et qu'il faut que, lorsque quelque chose se passe bien, c'est comme entre le maire de Lille et le maire de Marseille. Les deux ont fait un stade pour l'Euro 2016. En PPP, ils ne se parlaient pas. Il y a un moment où on a mis les équipes ensemble, celle de Bordeaux aussi, et ils se sont dit, est-ce qu'on peut faire un stade de foot en PPP? Il y a 8 ans, on a réuni les équipes. Je dis bien, il y a 8 ans. Donc ça prend du temps. Et on leur a dit, vous pouvez y aller. Et des villes de droite et de gauche ont dit, bah, tiens, on va se lancer là-dedans. Et aujourd'hui, les ouvrages sont là à l'heure. Donc ça me semble important de dialoguer, d'échanger, de se rencontrer, de voir les bonnes pratiques, et que surtout, entre pays africains, partout où il y a des opérateurs, on puisse mettre un focus, parce que les hommes politiques courageux, avec toute l'admiration que j'ai pour eux et en tant qu'ancien élu de Paris, ils sont peu nombreux. Par contre, quand quelqu'un a fait quelque chose de bien et qu'on montre à un autre élu que ça peut marcher, à ce moment-là, il va engueuler ses équipes administratives en disant « Pourquoi nous, on ne l'a pas déjà fait ?» Donc c'est tout ça qu'on doit faire tous ensemble, lors de ces rencontres, bien évidemment, découvrir ce qui marche, échanger sur les bonnes expériences et accélérer les investissements. Merci. En tout cas, tout à l'heure, j'ai souri quand tu as cité l'exemple de Dakar Diaminadio, parce que c'est vrai qu'on dit que les PPP, on en fait beaucoup, mais moi, ça fait 3 ou 4 ans que j'assiste à beaucoup de forums sur les infrastructures, et chaque fois qu'on montre un exemple de PPP, on parle toujours de l'autoroute à péage. On a l'impression que c'est le seul PPP qui marche en Afrique. Donc c'est pour ça que je lançais la question en disant, est-ce que ça fonctionne réellement, ou est-ce que, effectivement, je sais qu'en matière d'eau et d'électricité, on en fait beaucoup depuis longtemps, mais peut-être que les PPP innovants, il y a encore de la marge. Justement, Monsieur Alix, qu'en pensez-vous? Quel est votre point de vue? L'exemple de Dakar me fait sourire moi aussi, puisque il se trouve que la Nodalis est intervenue auprès du groupe FH pour le montage financier de ce projet, donc ça m'amuse toujours beaucoup de voir des gens parler de ce projet un peu dans tous les forums. Je pense que peut-être un mot pour caractériser ce projet et les raisons de son succès. Je pense que dans le succès de ce projet, il y avait quelques conditions de base qui doivent être réunies. La première, c'est qu'il y avait un soutien politique très fort. Il y avait une agence en charge du projet qui était bien dotée en ressources humaines et matérielles et qui avait un mandat clair. Il y avait un opérateur qui avait une forte présence au Sénégal depuis 80 ans, qui a apporté une véritable expertise et une véritable connaissance à la fois du métier et du contexte.
Et puis, il y a eu un phénomène tout à fait... enfin, qui reste un petit peu trop exceptionnel, c'est que effectivement, grâce à la conjonction des compétences qu'il y avait autour du projet, l'État a admis qu'une infrastructure de transport ne pouvait pas être bancable à 100%, c'est-à-dire qu'elle avait besoin d'un soutien public. Et ce soutien public, en termes de financement, l'État a été en mesure de le réunir grâce à la collectivité des bailleurs de fonds qui étaient autour du projet, parce que le projet n'était pas seulement un projet autoroutier, c'était aussi un projet urbain, avec des restructurations de quartiers, avec des éléments sociaux extrêmement importants, notamment en termes de gestion des déchets. Donc c'est un projet qui est assez emblématique, mais il faut rappeler que sur ce projet dont, encore une fois, tout le monde parle fréquemment, les subventions publiques à l'investissement représentent 60%. Donc, alors la transition que je ferai peut-être un court développement sur les PPP et pourquoi il faudrait essayer peut-être d'en faire plus, est-ce qu'on en fait assez? En tout cas, je crois que la vraie question qui se pose aujourd'hui en Afrique, et c'est un continent que nous connaissons bien, ça fait 20 ans moi, que je traîne mes guêtres notamment sur l'Afrique de l'Ouest. En 1993-1994, j'ai commencé à travailler sur le projet Dakar-Bamako. On est présent sur beaucoup de pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, au Maghreb aussi. Le constat que l'on fait, je ne sais pas s'il sera partagé par l'ensemble des membres du panel, c'est qu'aujourd'hui, la question principale qui se pose, ce n'est pas une question de financement. Les financements existent, il y a beaucoup d'argent privé, et de plus en plus, grâce aux performances économiques de l'Afrique, il y a beaucoup d'investisseurs qui souhaitent intervenir en Afrique. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est des projets bien préparés, des projets bien structurés. Et en fait, je voudrais vous proposer plusieurs définitions du concept de PPP. Donc il y a partenariat public-privé, il y a pose de la première pierre, ça c'est le concept politique, et qu'il faut absolument éviter, parce que si vous rentrez dans un agenda politique, vous êtes presque certain que votre projet va échouer. Je dis presque parce qu'il peut y avoir des exceptions heureuses. Et ça ne veut pas dire, surtout, que les projets ne doivent pas être sponsorisés politiquement. Ils doivent l'être. Si vous n'avez pas un sponsor politique fort, vous aurez du mal à sortir de grands projets d'infrastructure en PPP. Mais c'est autre chose, cette notion de sponsorship, de soutien politique, de la notion d'agenda politique au sens agenda des élections, etc. Ça peut être un vrai danger pour ces projets. Et la troisième exception de cette appellation PPP, et ça c'est pour les gens comme nous qui travaillons, je dirais, un peu quotidiennement à essayer de faire émerger des bons projets, c'est tout bête, c'est préparation, préparation, préparation. En fait, il y a, pour réussir de grands projets d'infrastructures structurants, il faut mettre autour de la table, à la fois du côté public et du côté privé, beaucoup de compétences, il faut y passer beaucoup de temps, il faut y consacrer beaucoup de ressources, à la fois en temps et même en termes financiers. Et si vous ne réunissez pas ces conditions, vous ne pourrez pas développer davantage de PPP. Un dernier mot, parce que nous sommes nombreux, et puis la journée a déjà été longue, vous avez entendu de nombreuses personnes, mais je serais ravi de reprendre la parole s'il y a d'autres sujets. Je crois qu'il faut qu'on fasse attention. On parle de PPP, on en parle beaucoup, on en parle partout, on en parle depuis longtemps. On en fait quand même relativement peu. Je voudrais juste pointer une caractéristique importante, c'est qu'on parle souvent de PPP pour l'apport financier du secteur privé. Et en fait, selon mon expérience et selon les analyses qu'on a pu faire sur divers projets sur lesquels on travaille, c'est pas ça qui doit être recherché en priorité dans les partenariats publics-privés. Ce qu'on doit rechercher en priorité, c'est l'efficience et l'efficacité du secteur privé et pas forcément le financement par le secteur privé. Et notamment, selon l'état des économies africaines, on peut se rendre compte que dans
dans de nombreuses situations, le coût du financement privé est tellement plus cher que le coût du financement public que ça peut conduire à une multiplication du coût de l'investissement de base. Donc il faut que l'État soit extrêmement sélectif dans le choix des projets pour lesquels il va demander au secteur privé d'intervenir financièrement. Et il vaut mieux, si le projet n'est pas 100% bancable, faire comme l'État du Sénégal et apporter une subvention au départ, plutôt que d'étaler la dette sur 20 ans. Je sais que ça va peut-être un petit peu à l'encontre de ce qui vient d'être dit, mais quand on regarde les chiffres et qu'on les regarde d'un point de vue économique, il y a quand même la question de la soutenabilité budgétaire pour les États de tous ces projets qui pourraient être faits en ayant recours au financement privé, mais qui dit recours au financement privé dit que les ressources de l'État au cours des années suivantes seront encore moins importantes pour le financement d'autres projets. Donc c'est vraiment important. Et troisième et dernier message peut-être, et ça rejoint des discussions qui ont eu lieu ce matin, la part des partenariats publics-privés dans la réalisation des infrastructures ne sera jamais majoritaire. Elle restera toujours relativement marginale, en tout cas en termes de financement. Et donc il est très très important que les États développent leur base fiscale, éventuellement que les discussions, que les États puissent se réendetter. Il y a eu des initiatives très intéressantes pour désendetter la majeure partie des pays africains. On a des États aujourd'hui qui sont avec des taux d'endettement compris entre 15 et 30%. Il y a quand même de la marge pour de l'endettement public si c'est pour des projets qui eux-mêmes génèrent des recettes fiscales dans le futur. Je ne pense pas qu'on pourra développer les infrastructures en Afrique sans un effort public massif. Et qui dit effort public massif dit aussi effort des populations pour accepter la fiscalité comme une contribution normale et citoyenne au développement de son pays. Je viens d'un pays qui est riche, qui est très développé, que vous connaissez sans doute tous, qui est la France, qui a un niveau d'infrastructure assez remarquable, mais c'est quand même le produit à 95% des efforts fiscaux faits par les Français au cours des 40 ou 50 dernières années. Il y a eu beaucoup de choses faites en PPP au cours des récentes années, mais ça reste relativement marginal et récent quand même. Voilà. D'accord, je retiens donc que en fait, le projet de Dakar avait des conditions exceptionnelles et donc c'est l'exception qui peut être confirmée. Mais bon, il faut les répéter, c'est une boutade. Donc aussi, je note bien que le sujet du financement n'est peut-être pas une vraie problématique, que derrière, il faut qu'on ait réellement des dispositifs qui permettent d'accompagner des projets bancables et des ressources humaines à même de délivrer. Mais j'ai remarqué, vous n'avez à aucun moment parlé du cadre réglementaire. Pourtant, certaines personnes ou certains acteurs parlent beaucoup du cadre réglementaire qui peut-être n'est pas toujours au rendez-vous. Et je vais interpeller à ce moment le juriste, l'avocat, pour dire, Moustapha Mouarib, est-ce qu'aujourd'hui, dans nos pays, en tout cas en Afrique en général, les cadres réglementaires sont au rendez-vous pour permettre justement d'avoir des PPP tels qu'on les présente? Merci Abdou pour ta question. Le cadre réglementaire est effectivement un des critères importants pour prendre une décision d'investissement, surtout quand on fait appel au privé et qu'on souhaite obtenir des financements et des investissements en capitaux de la part de privés à l'international. Et donc effectivement, le cadre réglementaire est important. Il est important, mais je pense qu'il est important de le remettre dans un contexte, parce que, en tout cas, si je parle de l'Afrique de l'Ouest, Maroc, Afrique de l'Ouest, je ne peux pas me prononcer tôt sur le reste de l'Afrique du Nord, mais l'Afrique de l'Ouest en général, francophone, le cadre réglementaire est satisfaisant. Chacun de ces pays a un historique plutôt de stabilité dans la réglementation, etc. Il y a rarement des histoires d'expropriation, de changement de réglementation, de changement de loi. Alors, on passe beaucoup de temps sur ces sujets-là.
La réalité, c'est est-ce qu'il y a vraiment souvent, l'excuse réglementaire est utilisée pour ne pas investir parce que fondamentalement, on cherchait une raison de ne pas investir. Et parfois, le cadre réglementaire est également utilisé, tout simplement parce qu'il y a un facteur qui me semble extrêmement important quand on parle d'investissement dans les infrastructures, c'est la rapidité d'exécution. Si on passe trop de temps à discuter et à finaliser des documentations, etc., il y a un moment où, y compris les investissements privés, sont passés ailleurs. Et pour un sponsor, s'il n'a pas fait une opération au Sénégal, l'autre équipe a utilisé le même argent pour le faire en Amérique du Sud ou ailleurs. Donc je pense que le cadre réglementaire, encore une fois, je ne sais pas l'avocat qui va dire le contraire, est important. Je pense qu'il est satisfaisant. Je pense qu'on peut effectivement améliorer, créer des cadres avec des lois PPP. Je pense que le Maroc avait le cadre déjà des concessions depuis 2006. Il a par exemple fait voter une loi sur les PPP, ce qui est formidable. Il y a tout un travail d'éducation, etc. Mais je pense que c'est plus pour, j'allais dire, cocher une case vis-à-vis des investisseurs internationaux et leur dire, voyez, on a ça aussi. Mais je trouve que les États africains en font beaucoup, beaucoup déjà pour essayer de montrer aux investisseurs qu'ils remplissent beaucoup de critères d'un point de vue réglementaire. La protection des investissements est importante. Le fait que les investisseurs privés puissent effectivement injecter leur argent, ressortir leur argent, etc., c'est important. Mais dans tout ça, je crois que, honnêtement, c'est pas pour faire du positivisme, je pensais qu'il y a de problèmes fondamentaux. Il n'y a pas de problèmes fondamentaux d'un point de vue réglementaire, encore une fois. Je pense que ce qu'il conviendrait en revanche, c'est plutôt d'accélérer la rapidité d'exécution. Quand je vois, par exemple, si on peut parler de cadre réglementaire, la loi OADA sur les sûretés, en France, on aimerait bien avoir une meilleure, au moins avoir une loi aussi bien que celle qui est proposée dans le cadre OADA. Et pour autant, on fait plus de PPP en France que en Afrique. Moi, je pense que le sujet, il est que si les États africains, si les pays africains attendent trop des privés de se plier en quatre pour faire des démonstrations, qu'ils remplissent toutes les cases, etc., je pense qu'il faut changer de paradigme. Moi, je pense que ce sont les Africains eux-mêmes qui doivent financer ou en tout cas participer au financement de leurs infrastructures, en tout cas pour une bonne partie. Je ne pense pas que ce soit un sujet de financement. Je pense qu'il faut rationaliser, discuter, régionaliser, parler régions, communautés, etc., essayer d'organiser les choses de manière plus coopérative entre les États que considérer le sujet État par État. Voilà ce que j'avais à dire à ce stade, et puis on pourra échanger si vous voulez rentrer dans le détail des aspects juridiques, mais honnêtement, je pense que l'aspect réglementaire n'est pas le sujet. Voilà. Je comprends bien ce point de vue, donc on en fait malgré le cadre réglementaire, mais je vais interpeller quand même M. Janssen, qui est un acteur fonds d'investissement sur des marchés africains. Est-ce que vous partagez ce même point de vue ou est-ce que vous pensez qu'il y a des réformes à intégrer dans les cadres réglementaires ou en tout cas dans l'approche actuelle des PPP? Je dirais qu'il y a des éléments de base en effet en place dans beaucoup de pays et régionaux aussi, comme le système OADA. Mais l'Afrique est quand même un continent très grand et la situation varie de pays à pays et de secteur à secteur. Donc, par exemple, si on prend le Kenya ou on prend la Côte d'Ivoire et on prend le secteur d'électricité, il y a un système qui fonctionne et qui a une certaine fiabilité qui est important pour les investisseurs. Dans d'autres pays, vous pouvez avoir en théorie la réglementation en place, mais le mettre en place pour chaque projet n'est pas toujours facile. C'est une question, je dirais, de habitude et connaissance dans des secteurs. Par exemple, dans le secteur d'électricité,
les connaissances du niveau gouvernemental et pratique ont augmenté. Dans d'autres secteurs, il y en a moins. Mais il y a quand même... il y a encore beaucoup à faire, mais je dirais que les choses vont dans la bonne direction, peu à peu, partout dans le continent. Donc, je suis plutôt positif, je dirais. Très bien. Donc, le cadre réglementaire n'étant pas forcément une problématique, tout à l'heure, on a dit que le financement... Il est toujours une problématique, dans le sens que, si vous voulez, l'effort et le coût de monter des projets d'infrastructure restent énormes. On est toujours dans une phase où, je dirais, chaque projet est fait à mesure, avec d'énormes interventions de bureaux d'avocats et avec des bouquins comme ça en documentation pour mettre en sûreté que tous les risques soient, disons, réglementés et soient coordonnés de bonne façon. Il y a peu de pays où on peut faire des projets sans ça. Cela dit, comme je disais, les choses s'améliorent. Et si on veut accélérer le taux de croissance de la mise en place d'infrastructures par PPP ou autrement, clairement, il faut qu'on aille d'un système de projet par projet à mesure à quelque chose de plus standardisé et quelque chose de plus rapide à mettre en place. Et je dirais, avec plus de transparence, je vois encore trop souvent, même dans le même pays, là par exemple, où le marché, où le pays est encore faible, que si on doit négocier une garantie ou un soutien du gouvernement, vous avez vu 3 projets avec certaines garanties, vous estimez que l'État sait très bien ce que les banquiers veulent avoir et quand même, le prochain projet, de nouveau, certaines clauses ont disparu et ils savent très bien que les banquiers vont venir et vont demander « Vous avez oublié peut-être d'ajouter la clause X et voilà, c'est 6 mois qu'on a perdu sur le projet. » Donc, il y a des choses à faire toujours. D'accord, c'est plus dans les, en fait, dans les procédures et dans la mise en œuvre des projets que se situe la problématique plutôt que juste dans la réglementation en elle-même. Oui. Exactement. Oui. Et autre point à côté de la réglementation, on a abordé le point du financement en disant qu'aujourd'hui, les financements existent. C'est vrai qu'on a de plus en plus de fonds d'infrastructure. Donc, je voudrais un peu interpeller Monsieur Alassane Ba. Depuis quelque temps, on parle beaucoup du fonds Africa 50 d'infrastructure. Donc, pour voir un peu qu'est-ce que ce fonds apporte déjà de nouveau, comment il compte se déployer. Et aussi voir, aujourd'hui, on dit les financements existent. C'est vrai, mais c'est les projets qui posent problème. Quel est votre point de vue, même si c'est un nouveau fonds, vous connaissez bien l'activité, puisque depuis des années, vous êtes dedans sur le continent. Oui, merci Abdou. Je pense que, comme ça a été relevé, de plus en plus, il y a un consensus sur le financement des infrastructures. Le problème, ce n'est pas un manque de capitaux. Parce que, comme vous le savez, le monde n'a jamais été aussi riche. L'argent existe. L'argent recherche des opportunités d'investissement. L'argent recherche des rendements intéressants. Et normalement, l'infrastructure est une classe d'actifs qui génère un bon rendement. Mais pourtant, les choses ne se passent pas comme on le souhaite. En Afrique, d'ailleurs... au-delà même de l'Afrique, il y a une problématique générale concernant le financement des infrastructures. Parce que tout le monde a tendance, en tout cas du côté des financiers, à attendre l'existence de projets bancables. Chaque banque a des ressources disponibles, des ressources dédiées, mais les banques recherchent des projets bancables. Et ces projets bancables sont relativement rares. Et ce qui fait que, de plus en plus,
On a une disponibilité financière, on recherche des projets bancables, mais là, on se retrouve avec un nombre restreint. Cela veut dire qu'effectivement, qu'on n'a pas tellement regardé toute la filière. Il y a particulièrement un segment qui n'est pas bien financé, c'est tout ce qui concerne la préparation des projets dans le domaine des infrastructures. Il s'agit d'une phase extrêmement lourde, coûteuse, qui requiert une véritable expertise. C'est là où, effectivement, que Africa 50 a une vraie valeur ajoutée parce qu'on se présente sur le marché avec deux guichets. Un premier guichet dédié à la préparation des projets, qui est actuellement le segment le moins financé, et un guichet concernant le financement des projets bancables. Laissez-moi un tout petit moment concernant l'aspect financement du développement des projets, parce que c'est l'aspect le plus important qui permettra d'améliorer la bancabilité des projets. À ce niveau, il est important que les financiers comme nous, comme Africa 50, travaillent avec des promoteurs, c'est-à-dire les opérateurs industriels du secteur, pour mettre en commun nos ressources. En général, c'est des capitaux à risque, parce qu'effectivement, le niveau de risque est extrêmement élevé à ce niveau, parce qu'il s'agit de prendre une idée de projet, de la développer jusqu'à la bancabilité. Cela veut dire qu'il y a énormément d'écueils dans cette différente trajectoire. Et c'est pourquoi Africa 50 a créé une entité juridique indépendante du groupe Africa 50 dédiée exclusivement à ce segment d'activité avec des capitaux à risque et en travaillant en intelligence avec le gouvernement, avec les opérateurs privés, où on peut développer ce qu'on appelle des accords de co-développement. Des accords de co-développement, c'est des contrats entre Africa 50, le gouvernement, si possible, mais surtout avec le promoteur privé, où nous allons définir quel est le budget nécessaire pour développer un projet. Ça peut être un projet dans le domaine de l'énergie, ça peut être un projet dans le domaine du transport, ça peut être un projet dans le domaine de l'eau. Et avec une répartition des coûts d'investissement initiaux, où Africa 50 peut prendre jusqu'à 40% du coût, et nous allons effectivement faire notre business plan pour faire toutes les études nécessaires jusqu'à l'arrivée de la bancabilité. Le problème à ce niveau, c'est que le taux d'échec est extrêmement élevé, parce que dans notre modèle financier, on s'est retrouvé avec des taux d'échec de l'ordre de 30%. Et pourtant, aussi, l'une des caractéristiques d'Africa 50, c'est de faire de ce guichet une entité rentable capable de payer des dividendes. Cela veut dire qu'il faudra être extrêmement prudent dans la sélection des projets et s'assurer qu'effectivement, quand on sélectionne un projet, nous allons mettre tous les atouts nécessaires pour la réussite du projet. Mais il y a des moments aussi, malgré tous les efforts, on est obligé de laisser tomber le projet parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de paramètres qui ne marcheront pas. Et Africa 50 est une initiative africaine. C'est ça, c'est pourquoi elle est très intéressante, parce que ça procède d'un constat. Aujourd'hui, il y a un véritable déficit en matière de financement des infrastructures. Globalement, nous avons besoin à peu près de 100 milliards de dollars de financement des infrastructures en Afrique. Globalement, avec toutes les sources de financement possibles, on couvre uniquement la moitié. Il y a un déficit de 50%. Et ce déficit a tendance à s'accumuler, ce qui fait que de plus en plus, nous avons quand même des difficultés en matière de compétitivité, nous avons des problèmes en matière de co-émergence. Parce que quand on parle de co-émergence, cela veut dire qu'effectivement, qu'on améliore notre patrimoine, notre stock en termes d'infrastructure. Et à ce niveau, n'oublions jamais un aspect important. Tout ce qui concerne l'infrastructure, il s'agit d'un business contrôlé par les pays. C'est pourquoi tout ce que vous voulez faire dans le domaine des infrastructures, il est extrêmement important de faire en sorte que l'État soit au centre. Nous en avons parlé, c'est l'État qui définit la réglementation, c'est l'État qui définit les PPP, c'est l'État qui contracte. Et ce qui fait que l'État est un acteur majeur. L'État doit avoir suffisamment de capacité pour conduire ce business. Et il se trouve que de plus en plus, c'est un business jeune en Afrique.
Ce business est très jeune en Afrique. Et ce qui fait qu'il y a des périodes d'apprentissage par lesquelles nous passons. Nous avons des progrès, mais nous ne sommes pas toujours contents de ces progrès parce que nous devons aller très vite. Le monde ne nous attend plus. Nous devons aller beaucoup plus vite parce que nous avons énormément d'impératifs qui nous accablent à tous les niveaux et ça, c'est extrêmement connu. Et ce qui fait que l'idée d'Africa 50, c'est de venir sur une nouvelle structuration, c'est-à-dire quand vous allez voir comment le capital est structuré, nous allons avoir trois catégories d'actionnaires. Nous allons avoir les États africains souverains, c'est la catégorie A. Nous allons avoir une catégorie B concernant les institutions financières africaines et non africaines, une catégorie C. Cela veut dire que vous voyez déjà dans la typologie des actionnaires les acteurs importants pour que les infrastructures marchent. Il faudra les mettre autour de la table, c'est-à-dire à la fois le gouvernement, les institutions financières et le secteur privé. C'est pourquoi on a cette structuration pour qu'il y ait une forme d'appropriation du tout ce qui concerne le financement des infrastructures. L'objectif est de lever 3 milliards sur une période très courte, sur 2 ans. Nous avons eu effectivement une première levée de fonds où on a réuni à peu près 830 millions venant exclusivement de la BAD et des pays africains. On doit se réjouir de cette nouvelle dynamique en Afrique parce qu'il ne s'agit pas uniquement de dire que c'est bon, il ne s'agit pas de dire que nous soutenons. Si vous pensez que quelque chose est quelque chose qui est important, il faut y mettre de l'argent. Et ce que les pays africains ont compris, et dans ce cadre, pour la première fois, en tout cas à ma connaissance, j'ai une longue expérience du financement du développement, de voir des pays africains mettre de l'argent. Donner l'exemple, le Maroc s'est engagé pour 100 millions, a payé 25 millions. Le Congo s'est engagé pour 200 millions, a payé 50 millions. L'Égypte s'est engagé pour 100 millions, a payé 25 millions. Ainsi de suite, parce qu'on a appelé uniquement le quart. Le Sénégal s'est engagé à payer. Des pays comme la Sierra Leone, qui ont des défis extrêmement importants, que vous connaissez, se sont engagés, ont payé. Ça nous donne suffisamment de confort, ça nous donne suffisamment ce qu'on appelle une volonté politique, parce qu'on ne peut pas réussir dans ce domaine s'il n'y a pas une volonté politique. Les pays africains l'ont montré, et nous allons continuer cette procédure. Donc, actuellement, nous allons opérer dans un segment qui est un segment extrêmement difficile, qui est un segment qui constitue un véritable goulot d'étranglement, c'est la préparation des projets bancables. Et nous invitons effectivement tous les opérateurs privés qui seraient intéressés à travailler avec Africa 50 de nous rejoindre dans cette nouvelle approche. Et nous pensons qu'effectivement, que nous allons combler avec l'aide des autres, parce que tout ce qui concerne le financement des infrastructures, c'est une aventure collective. Rien ne se fait par une seule institution. Et là, nous allons compléter l'action de la BAD parce qu'Africa 50 a été créée dans l'idée d'amplifier, de soutenir ce que fait la BAD. La BAD va continuer à faire ce qu'elle fait dans le domaine du financement des infrastructures, mais Africa 50 aussi va continuer. Et là, c'est l'occasion de remercier le gouvernement marocain qui a pris effectivement toutes les initiatives possibles pour soutenir Africa 50. Africa 50 aura son siège ici même à Casablanca. Enfin, on est à Tanger, mais je peux dire que c'est au Maroc. Et notre principal hôte va être Casa Finance City. Je salue son président et directeur général pour tout le soutien qu'il nous apporte. Et bientôt, vous allez voir Africa 50 dans le domaine des opérations. Et nous pensons que nous avons notre proposition de valeur qui représentera effectivement une contribution effective pour essayer de résorber le déficit des infrastructures. Parce que tout ce que nous disons aujourd'hui en Afrique, il y a une question fondamentale qu'il faut résoudre. Il y a énormément de problèmes, nous le savons, mais si nous arrivons à résoudre 2 questions importantes en Afrique, on fera des pas de géant. La question de l'énergie et la question de l'éducation. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ba. Donc, Africa 50, un modèle innovant, fonds africain financé par des Africains pour l'Afrique. Un point très important, c'est la préparation, l'accompagnement de la préparation. Sur ce point, j'espère juste que vous n'allez pas concurrencer des cabinets comme les nôtres, parce qu'à un moment, il faut aussi qu'on fasse de la synergie et qu'on ne soit pas en concurrence. Donc, mais c'est important, hein, monsieur. Oui. Non, rassurez-vous, tout ceci, c'est pour vous.
en réalité, nous allons rester dans notre métier. D'accord. Mais en tout cas, ça rejoint un peu ce que disait M. Alix sur la préparation. Et donc, c'est accompagner réellement les États et le secteur privé dans la préparation des projets et ensuite le financement, mais avec un élément très important, la bancabilité et la rentabilité des projets. At this point of view, give the mic to Mr. El Sherry from Nile Capital. We're talking a lot about financing, that financing exists in Africa, but the problem is bankable projects. What is your point of view as Nile Capital and all your experience you have, especially in Egypt and the area around? Thank you, Mr. Chairman. And thank you for inviting me with this distinguished panel. And allow me to be, for the sake of time, I'm going to use an SMS format so that we go quickly and straightforward. My first message, and allow me, Mr. Chairman, is out of the context of the panel. Okay. It's a message of love, admiration, and hope. It's from the bottom of my heart, a deep message and a deep feeling of love to this country, this beautiful country, and to the great people of this country. And a message of admiration for what you are doing and what you have done in the past few years in this country. To me, and I know a tiny bit about development, this is development and this is sustainable development. Thanks to the great king you have, thanks to the governments that you always critique, and thanks to as well to the new generation that I see every time that I come here, and I take so much pride in all of you building this country. This is a model for Africa. The third is a message of hope. If you do what Morocco is being doing, Africa is going to be developed. In spite of all the challenges, all the problems, and all the difficulties, and all the critique that we all every day, including every one of you, say about what is right and what's wrong. So there is a strong message of hope, and I hope that next year and the year next to next year, you're going to do double what you are doing every year I come. So this is my first message. The second message is we are talking about Triple P. And really, I'm tired of talking about Triple P. We know we have diagnosed what Triple P is. We know what is needed. And all what we need to do is to see it in reality. We talk about Triple P as if we are in Europe. We are not in Africa. The realities, the prerequisites of Triple P are good institutions, good governments, good human capacities that exist, good regulatory environment, and availability of finance, etc., etc. If all exist, then there is a Triple P. If all exist, there may be changes, as I'm going to reflect in one of the messages. The reality in Africa that we are now more than a billion. And in less than 40 years, by 2050, this is going to be double, 2 billion. In less than 40 years, we will need 1,000 cities more. Each one of them is a million. Or 2,000 cities, each one of them half a million. None is planned today. None, we have the vision of it today. Or we need 4,000 cities, each one of them is a quarter of a million. Less than 1% is planned today. So we have a challenge that tomorrow, which is coming very fast, we're going to be double. Unless we plan today, and in order to do this, we need people, when we need governments,
who do have the vision. However, the reality, and if you're here in the previous session with the distinguished panelists who were there, that Africa is busy with the war zones and less with the stable and developing environments. And this is a big challenge. Give me peace and stability, and then we talk about Triple P. I mean, are you going to do a Triple P project in Somalia today? I guess not. Are you going to do a Triple P project in Libya today? I guess not. Okay? I would do a Triple P project in Morocco. Okay? I would do a Triple P, as I'm doing, in Egypt. So there are countries where we're not talking about unified Africa in terms of there is realities in Africa and there are issues that we need to take care of prior to, or others take care of it, so that we can come and talk about Triple P. The potential is huge. Now, in terms of relationship, a Triple P is a translation of public-private partnership. To me, this is like a marriage, by the way. Okay? It starts fascinating, but very quickly, the two parties discover the realities. And once they discover the realities, the differences start to emerge and appear. It happened with all Triple P projects. It happened with few marriages that I know. And it end up with very few who continue unsustainably, and others who are fall for one reason or the other. Usually governments blame the private sector or blame the project proposals, etc. And with each project you spend, I mean, huge money. I mean, for someone in Africa to spend $500,000 to prepare for a Triple P that's canceled once and twice and three times, this is big money. I mean, so there are issues and about the relationship of Triple P itself. I mean, we understand and people make complaints about the practice of Triple P in Europe, in some industries like energy, like when governments see how much profit the private sector is making and then they change the tariff, they change the rule, they change, I mean, the dynamics of the, if it happens in Europe, and we learn, we apply the same models here very quickly. I mean, I don't know about many governments who keep their promise. Usually they change their words. Now, in terms of the model, when we talk, I have a problem, particularly in Africa, particularly in my own part of the world. Because when we talk about Triple P, we always think rightly, because of the high demand about the physical infrastructure. But I would like to stress the importance of, particularly in our part of the world, of investing in knowledge, of investing in health. In my own country, which I think it's one of the African countries, I feel that we haven't done our job in our generation when I see that we have illiteracy, which is 30%, poverty, which is 40%, a drop in the rank of education of a country like Egypt to be number 141 among 144 in the world in terms of quality of education. And when I look to the African countries, I see many countries who are the same. Don't tell me that you're going to spend in infrastructure without having the human capacity to manage and the maintenance and sustainability and the growth of this infrastructure in the future. And the governance or the leadership that is associated with that. So investing in the social side, and here I'm echoing strongly. And I remember that a few years ago from this floor, I talked about the importance of establishing knowledge funds. So like Africa 50, we need to have an Africa 50 for knowledge, okay, that invest
and better kindergarten, if they exist, and better schooling, and building a Harvard and MIT in every country of Africa, etc., etc. This is a totally different topic that we need to add to our program. The next point we need, which is to address very openly, about the role of governments. I mean, how many of you know about good governments? And how many of you know about bad governments? There is a lot of issues here. If you're talking about public-private partnership, we're talking about one side, one party to the marriage, that we need to make sure that we respect the rules of the agreement. Same thing with private sector, which is my second message. How many of you know about good private sector, and how many of you know about bad private sector? Again, we need to make sure that they are abiding by the rules of the game. We don't want world lords in Africa. They're not going to build Africa. We need good private sector and we need good governments. Next to this, the role of international and multinationals in the game. The capacity and the financing from inside Africa is not enough to build Africa. We need partners. We don't need aid. We need people who could come to basically pay a dollar for a dollar, and we partner in success and we partner in the challenges. Not people who come and lecture us about what is right and what is wrong, and at the very end, they get the return prior to anybody in Africa itself. I recall 25 years ago that I was privileged to chair and lead a group that put the Africa Information and Communication Infrastructure Initiative with the ECE, the Economic Commission of Africa, the World Bank, etc. It was a dream, a crazy dream. This is the era prior internet. We had a dream about getting the internet to Africa, dream about getting African using computers, a dream about communication, dreams about... I remember the vision was to build a smart Africa with smart Africans. Recalling 25 years today, I think we need as well to build the infrastructure and the infrastructure and the human capacity by the smartest of Africa. Thank you. Thank you for the closing with a message of hope. So I hope that also as you raised all those challenges, specifically the challenge of knowledge, that we'll have perhaps a Africa 30 or Africa 40 funds for knowledge. Why not? Perhaps the African Development Bank will step on it. Je vais interpeller aujourd'hui. Il y a beaucoup de financiers qui ont parlé, de juristes, de consultants. Je vais interpeller le développeur qui aujourd'hui. Est représenté par M. Yazri de MedZ, qui intervient dans beaucoup de développements de zones, donc dans beaucoup de partenariats publics-privés où ils sont opérateurs. Aujourd'hui, M. Yazri, vous avez entendu toutes ces discussions. De votre expérience sur le continent particulièrement, quels sont, d'après vous, les modes opératoires qui permettent de mieux réussir les partenariats publics-privés de votre expérience, et aussi quels sont les facteurs clés de succès d'après vous? Merci. Tout d'abord, je pense qu'avant de rentrer dans le vif de votre question, il est important de rappeler un peu qu'est-ce qu'a fait MedZ, pour comprendre après d'où émanent un peu nos conclusions ou quelles sont les principales conclusions qu'on retient après à peu près 13 ans d'existence de MedZ. Donc MedZ, c'est à peu près 22 projets sur tout le territoire marocain, dont 18 réalisés en partenariat avec l'État. C'est vrai que MedZ aussi est une société anonyme, mais à fonds public. Donc nous sommes également un peu l'État. Donc nous, on est plutôt dans du PPP, du partenariat public-public aussi. Donc c'est, par la force des choses, il y a
des différences par rapport au reste, mais sur certains éléments, je pense qu'on retrouvera les mêmes problématiques et probablement des solutions qui sont relativement proches. Donc sur ces projets-là, nous avons à peu près 5 projets dans le secteur touristique, 4 projets dans le secteur de l'outsourcing et de l'offshoring, et 13 projets dans l'industrie. Donc sur les 6 dernières années, MedZ, sur les projets en partenariat avec l'État, c'est près de 15 milliards de dirhams d'investissement, soit 1,3 milliard d'euros qui ont été investis par MedZ et qui ont été financés à la fois par les fonds propres, mais également par un endettement à la fois à l'international et local. Donc le financement a été réalisé sur ce type de projet. Donc aujourd'hui, on considère que ces projets, même si certains ont connu des difficultés ou même connaissent encore des difficultés, mais il y a eu une courbe d'apprentissage entre nous et notre partenaire, à la fois sur le contenu des contrats et sur la façon de travailler, et on le verra sur la gouvernance des projets, qui est un élément également fondamental pour leur réussite. Donc et aujourd'hui, après à peu près 6 ans sur ce type de partenariat, on est à, pour le résultat, pour notre pays et pour l'État, c'est plus de 60 000 emplois créés dans nos parcs. Donc, qui est finalement la finalité de ce partenariat avec l'État, parce que l'infrastructure n'est qu'un outil pour atteindre cela. Donc, nous, un des objectifs qu'on se fixe, c'est bien sûr l'emploi dans nos parcs. Donc, à partir de là, on peut résumer, je vais être très bref, hein, pour plutôt ouvrir le débat, on peut résumer, nous, les clés de succès, à peu près à 6 points. Donc le premier, et je pense que MedZ n'existerait pas si ce point-là n'avait pas été réalisé, c'est une vision. Si le pays n'a pas de vision à long terme de là où il veut aller, c'est très difficile de mettre en place des partenariats à long terme. Donc il y a une vision qui a été au Maroc démarrée dans les années 2000, début 2000, et qui s'est décliné sur un certain nombre de secteurs. Donc le secteur touristique dans un premier temps, ensuite les services à travers l'offshoring en 2005 et l'industrie en 2007. Donc ça a permis pour une structure telle que MedZ d'avoir de la visibilité à long terme sur l'engagement de l'État et quels sont les moyens qui vont être mis en place pour leur réussite. Parce que en développant une zone industrielle, la zone industrielle ne peut fonctionner sans les routes, sans la formation des RH, sans une connectivité, sans des ports, etc., etc. Donc tout ça a été bien pensé, bien réfléchi, et donc la vision y est. Donc, et ça, c'est fondamental pour un opérateur comme nous, pour s'inscrire dans la composante infrastructure, et pour investir dans l'infrastructure. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la partie relative à la gouvernance des projets. Aujourd'hui, ces projets sont pensés au niveau central, mais sont exécutés localement. Donc il faut une gouvernance qui prend en compte la diversité des opérateurs. Dans un pays comme le Maroc, on a l'État, on a les ministères, mais on a également les collectivités territoriales, on a les autorités locales, on a les agences urbaines, etc. Donc il faut absolument que le mécanisme de gouvernance permette d'aller, qu'il soit déjà qu'il existe, et qu'il soit en harmonie et qui partage le même objectif. Donc ça, c'est un élément fondamental, parce que c'est ce qui permet d'aller très vite sur les projets et de les réaliser efficacement. Le troisième point qui est important à notre niveau, c'est ce qui concerne les engagements. Il faut que les engagements des uns et des autres soient clairs, transparents et clairs. C'est-à-dire l'engagement de l'État doit être très bien défini et l'engagement de l'opérateur doit être défini et chacun a un rôle très très bien précis. Donc ça c'est fondamental pour le bon fonctionnement également. Le quatrième point que je pourrais mentionner, c'est bien sûr le partage des risques. Ça c'est quelque chose qu'on a appris dans le temps, c'est qu'il faut un partage des risques qui soit équitable entre l'État et l'opérateur. Donc le partage de risques, et donc ça, cela veut dire que, et c'est le sixième point, pour avoir ça, il faut des études très bien détaillées. On ne peut pas avancer sur des projets si les études ne sont pas bien faites, si on n'a pas, je rejoins ce qui a été dit, c'est fondamental. Et pour aller plus loin, on va, parce qu'après le financement, c'est une conséquence. Si un projet est bien pensé, bien réfléchi,
et il y a les ressources humaines pour bien l'exécuter, il n'y a aucune raison qu'il ne marche pas et qu'il ne se finance pas. Donc, toute la composante amont du projet est fondamentale. Donc après, bien sûr, c'est le financement adéquat. Aujourd'hui, MedZ a pu trouver le financement adéquat avec des financements longs. Donc, pour vous donner un chiffre, nous avons pu lever plus de 250 millions d'euros à l'étranger, donc sur des contrats qui dépassent les 12 ans. Donc c'est finançable avec des acteurs qui nous ont fait confiance parce que les projets sont bien pensés, bien réfléchis et le contrat avec l'État est bien défini. Donc ça, c'est un peu à notre niveau, un peu le retour d'expérience. Et bien évidemment, notre souhait aujourd'hui, on espère développer notre activité dans d'autres pays africains en dehors du Maroc. Nous essayons de faire la démarche similaire. D'abord, créer la confiance avec les États, parce que c'est fondamental, à travers l'apport de notre savoir-faire en termes d'études, en termes et surtout en termes de par rapport à toutes les erreurs qu'on a faites dans nos projets, et par la suite trouver le bon moyen pour développer le même type de partenariat que nous avons fait avec les mêmes mécanismes pour développer des projets similaires dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. D'accord, partager l'expérience. Très bien, je pense qu'on a fait un grand tour. Il y a un point que je voudrais quand même adresser également avant de passer la parole à la salle pour une séance de questions-réponses et ensuite de revenir sur les différents intervenants. Je la poserai à la Sanba. Aujourd'hui, d'après vous, quels sont... vous êtes dans une dynamique de financement de projets bancables. Selon vous, sur quel projet, typologie de projet, il faudrait prioriser les financements PPP sur le continent? Bon, je pense que les opportunités ne manquent pas. Mais quand on regarde globalement les modèles les plus aboutis, c'est dans le domaine de l'énergie, c'est dans le domaine de l'électricité. Que ce soit, par exemple, une centrale solaire, centrale éolienne, centrale à gaz, c'est devenu pratiquement des modèles pour lesquels nous pouvons dire que sur une période de 10 ans, nous avons une bonne expérience. C'est des modèles qui ont marché dans des pays à revenus intermédiaires, dans des pays relativement pauvres, dans les différentes parties de l'Afrique, le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre. Ça, je pense que tout le monde aujourd'hui est convaincu que dans le Nobel, dans le modèle des PPP, l'électricité, je pense, est devenue une marchandise. On peut y aller, il y en a déjà des modèles qui marchent très bien. Ça, je pense que tout le monde est convaincu. Encore un autre exemple dans ce domaine, parce qu'il y a eu une étude réalisée sur le plan mondial concernant les PPP. Pour déterminer les pertes au niveau de cette classe d'actifs. En Afrique, nous avons le taux de perte le plus faible. Il est moins de 1%. Bon, c'est vrai que c'est relativement jeune, nous sommes beaucoup plus prudents, nous le faisons avec beaucoup de précautions. En tout cas, je voudrais dire qu'aujourd'hui, moi, je ne connais pas un projet de PPP réalisé dans le domaine de la production d'électricité qui s'est transformé en flop. Ça n'existe pas. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, ce qu'on regarde, aujourd'hui, par exemple, dans un pays comme le Maroc, où il y a des appels d'offres, par exemple, pour tout ce qui concerne les centrales éoliennes, les centrales solaires, ça marche très bien. Le cas de l'Égypte, qui marche très bien. Le cas de l'Afrique du Sud, ça marche très bien. La Côte d'Ivoire, ça marche très bien. Le Sénégal et même le Mali, je viens de voir il y a 2 jours ou 3 jours, il y a effectivement une centrale de 50 mégawatts qui vient de faire sa clôture financière au Mali. Tout ça, c'est de bons exemples pour l'Afrique. Et ce qui fait que d'ailleurs, de plus en plus, tout le monde est en train de dire que la principale contrainte que nous avons en matière de développement en Afrique, c'est l'énergie. Parce que c'est devenu le préalable à l'éducation, à la santé, à l'agriculture. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on met les choses en perspective sur une période de 4 ans, 5 ans, nous avons de très bonnes perspectives en matière de production d'électricité.
je pense qu'on pourra résorber ces problèmes assez rapidement. Mais après ça, il va falloir progresser dans le domaine, tout ce qui concerne les transports, notamment les routes à péage. On a de bons exemples dans certains pays. Au Sénégal, c'est un succès, la route de Diamniadio, un véritable succès. Nous avons un autre exemple en Côte d'Ivoire, ça vient de commencer, on verra comment les choses, mais déjà il y a des problèmes de tarifs qui se posent. Et de plus en plus, il y a d'autres projets importants qui concernent la mobilité urbaine en Afrique, par exemple, enfin, des métros, il faut en faire. Par exemple, actuellement, à Abidjan, il y a le projet de métro d'Abidjan qui va se faire, parce qu'on nous dit que la clôture financière, c'est en juin 2016, c'est un projet d'$1 milliard, parce que de plus en plus, dans la plupart des grandes villes africaines, il va falloir trouver des solutions. Et ça se fera sous forme de PPP. Il faudra être un peu audacieux. Il y aura des problèmes, mais il y a toujours des solutions. C'est pourquoi il faudra de plus en plus qu'on change l'un des grands problèmes, cette mauvaise perception du risque en Afrique. Et là, je pense que c'est notre responsabilité collective. Je pense qu'il y a une perception excessive du risque des projets de PPP en Afrique. Je vous remercie. Merci. Donc, il faudra accompagner en fait toute l'urbanisation avec ces sujets d'électricité, de transport, etc. Donc, je vais ouvrir une séance questions-réponses. Je vois déjà des mains qui se lèvent dans la salle. Donc, on va commencer par ce côté-là. All right. Thank you very much. And I am happy to be with you today. And thank you for sharing us your opinions. Yeah, I'm Jill, I'm Abu Bakr, student at the Translation and Studies here in Morocco. You spoke of the PPP, I mean the three P's. I mean, here a question has been raised. Has the African state reached a level where they can ensure the quality of service? I mean, and stand as a wall against the greedy capitalism of the private sector. I mean, the same we have as for Egypt and Morocco. Thank you very much. Jawad Kardoudi, président de l'IMRI. Vous avez tous signalé qu'il y a trois intervenants dans le PPP, le gouvernement, le secteur privé et l'organe de financement. Mais je pense que vous avez oublié un quatrième intervenant qui sont les utilisateurs. Moi, je pense, et je voudrais poser la question à M. Mourahib, pourquoi ne pas prévoir aussi un quatrième partenaire qui est les utilisateurs? Et je voudrais signaler que dans cette même ville de Tanger, où il y a un PPP dans la distribution de l'électricité, il y a eu des manifestations violentes demandant le départ de la société privée, et ce qui a obligé le chef de gouvernement lui-même, marocain, à venir ici pour essayer de régler la question. Donc, je demande à ce qu'il y ait également comme quatrième partenaire les utilisateurs ou les associations de consommateurs. Et merci. Une autre question. C'est concentré à un même endroit. Mohamed Hamidouche, ancien représentant de la BAD au Sénégal et impliqué dans les financements des différents projets PPP financés par la BAD au Sénégal, notamment la fameuse autoroute dont il a été question tout à l'heure. Donc, je voudrais juste attirer l'attention de l'assistance sur la faiblesse institutionnelle de nos États en matière de négociation avec l'investisseur international qui débarque avec une vingtaine, avec une cinquantaine de juristes très rodés, alors que l'État est faible, il n'a pas les moyens de se défendre. Donc très souvent, face aux contraintes et aux pressions politiques qui s'exercent, on signe les documents et après, on se retrouve dans des situations comme celle d'Angers. Merci. Une dernière question. Ça marche?
Oui, je remercie tout d'abord les intervenants pour leur intervention. Merci. Je voudrais réagir par rapport à votre propre question qui allait être en fait la mienne, à savoir comment ou quels sont les secteurs prioritaires auxquels vous accordez le financement. Et ma question, c'est justement, on sait qu'il y a différents secteurs qui sont en fait touchés, mais que certains sont entre guillemets à la mode et d'autres non. Et là, il y a deux secteurs particuliers où j'ai des questions bien précises, à savoir, on sait que pour susciter de toute façon des PPP, il faudrait qu'il y ait une amélioration du climat des affaires. Et donc, les secteurs qui ne sont pas touchés, je pense par exemple à la notion de genre qui n'est pas prise en compte. Alors, je pense par exemple aux terres africaines, l'accès ou l'inclusion financière, l'autonomisation des femmes, etc. Il y a également un autre secteur qui est également très important et sur lequel je crois qu'il va falloir mettre aussi en place le partenariat public-privé, c'est la santé. Donc ma question c'est comment est-ce que vous mettez en place ces financements? Est-ce que c'est toujours par rapport aux objets, j'allais dire, importants au niveau gouvernemental ou aux sujets qui sont à la mode, hein, je reviens, ou qui sont cruciaux, et auquel cas, là, je pense quand même qu'il y a vraiment la dimension genre à prendre en classe. Je me suis désolée, je ne me suis pas présentée, je suis professeure d'université, économiste et membre fondateur de l'association Business Women and Professional. Je vous remercie. Merci. Donc, un petit tour des différents panélistes pour répondre. Je pense que Mustapha, tu as été interpellé, donc je te laisse la primeur. Ensuite, je fais. Moi, j'aurais préféré répondre à la question sur le genre. D'abord, tu peux également. Alors, si c'est pour répondre sur cette question, je note quand même que sur le panel, il n'y a pas de femme. Et donc, il faudra probablement le dire. Alors, je ne veux pas appliquer la règle de quelqu'un qui l'a fait récemment de ne plus participer à des panels où il n'y a pas de femmes. Mais je trouve que je fais la remarque aux organisateurs de faire attention la prochaine fois d'avoir des femmes. Je ne vais pas m'échapper à la question qui m'est posée, mais qui, à mon avis, m'est posée, à mon avis, pourrait être posée à tout le monde. Je n'ai pas la réponse sur les utilisateurs. Alors, je pense que, d'abord, les utilisateurs ne sont pas ignorés dans ce financement. Souvent, dans les concessions ou dans les PPP, il y a une partie du financement qui peut être faite par l'autoroute Dakar, l'autoroute à péage. Les utilisateurs financent pour une bonne partie aussi, même si ce n'est pas une partie majoritaire, l'infrastructure elle-même. Et donc, dans les discussions qui sont faites en amont, il y a l'aspect trafic, utilisateur qui est pris en compte. Votre remarque, elle a plusieurs dimensions. Je sais que je ne vais pas encore répondre à votre question, mais je vous dis juste que c'est pris en compte dans la partie financement, c'est normal. Votre remarque sur l'électricité, sur d'autres projets d'infrastructure, mais en particulier sur l'énergie, l'eau, c'est qu'il y a une dimension sociale. Et ces financements ou ces infrastructures ont une vocation inclusive. Elles cherchent normalement non seulement à fournir l'électricité, etc., mais aussi à permettre à des populations entières d'être incluses dans le développement du pays. Et je me semble, moi, que c'est plutôt le rôle de l'État, à ce moment-là, de faire participer ou de prendre en compte l'intérêt des utilisateurs. D'abord, il le prend parce que les utilisateurs, quand on parle de financement public, ce sont les mêmes utilisateurs, c'est les impôts des mêmes utilisateurs qui sont censés représenter, que l'État est censé représenter. Ensuite, est-ce que des associations d'utilisateurs devraient participer? Je pense qu'ils devraient être consultés ou discutés, mais je pense que ça, c'est plutôt le rôle de l'État. L'État, Sylvain Marc l'a très bien dit, je pense que quand on a une vision, surtout dans des secteurs structurants pour un pays, lorsqu'il pose son projet, il doit établir une vision, prendre une décision, mais je pense
inclure dans sa réflexion les utilisateurs finaux. Poser la question de est-ce que c'était le bon choix de passer en concession dans l'eau, dans l'électricité. Vous avez la régie à Marrakech. Vous savez qu'à Marrakech, c'est en régie, c'est public. Et pour autant, il y a des utilisateurs qui ne sont pas contents et qui se plaignent du tarif, etc. Donc, je pense que vous avez probablement raison qu'il faudrait avoir une réflexion plus large, ville, commune par commune. Je pense que d'abord, les utilisateurs sont consultés aussi parce qu'ils sont des électeurs aussi dans ces communes-là, participent aux conseils municipaux. Donc, il y a probablement une façon institutionnelle de le faire, mais je ne vois pas un seul de ces projets s'être fait sans la consultation des populations concernées. En revanche, votre question derrière sur les grèves, sur les manifestations, je pense qu'elle est plus liée à une cause sociale qui est le tarif. Voilà. Et le problème du tarif, c'est que il faut arriver à offrir, alors que les coûts de production sont élevés, arriver à offrir un tarif qui puisse socialement être accepté par les utilisateurs finaux. Ça, c'est pas une question qui relève ni des financiers, ni des conseils qui peuvent participer. Je pense que ça relève vraiment d'une politique de l'État sur ces sujets-là. Je vous renvoie aux décisions récentes du gouvernement sur les tarifs d'électricité, où vous avez vu qu'il y avait un tarif social, un tarif un peu plus élevé pour les entreprises. Ça, c'est quelque chose qui concerne tous en tant que citoyens, et pas seulement les utilisateurs d'une ville en particulier. Donc voilà ce que je peux vous dire à ce stade-là. L'utilisateur n'est pas ignoré parce qu'il fait partie intégrante d'une forme de financement, et il le fait quand on utilise des fonds publics, et également quand il est le consommateur final qui paye le service ou une partie du service qui lui est donné. Voilà. Je rajouterai peut-être juste, avant de passer la parole à Marc aussi, que n'oublions pas, effectivement, M. Kerdoudi parle des manifestations de Tanger. Les manifestations de Tanger manifestent contre le concessionnaire, mais pour des tarifs qui sont fixés en fait par l'État. Donc à un moment, c'est vrai que il faut que l'État, on revienne au rôle de l'État dans ce dispositif. Marc. Non, juste pour compléter, tout à fait d'accord avec toi, ou dans la lecture, sinon que je n'ai pas du partenariat public-privé, je vois que vous aimeriez qu'il y ait un quatrième P et la population dans le dialogue, mais en théorie, dans le public, mais c'est à l'État ou à la collectivité, c'est bien sûr la personne publique, mais c'est aussi le public qui doit être représenté par la personne publique dans l'acceptabilité du sujet. Alors, bien sûr, là, on parle, si je comprends bien, sur Tanger, d'acceptabilité des prix. On aura beaucoup de recul bientôt sur et à Dakar et Abidjan, où l'acceptabilité n'a pas été vécue de la même façon. Et la bonne question, c'est en amont, en effet, du projet, comment on réussit une bonne inclusion pour avoir une acceptabilité, surtout si à l'arrivée, il y a un tarif à payer. D'ailleurs, avant-hier, j'étais avec des spécialistes du transport public en France, où aujourd'hui, il y a une tellement... Les prix n'ont pas augmenté depuis 10 ans, et plus personne ne s'en sort. Il y a une guerre des prix, et le prix payé aujourd'hui n'est absolument pas suffisant. Et la question qu'il me pose, c'est comment essayer de refaire un tarif public acceptable en les augmentant, en disant votre service va être meilleur. Par contre, si la personne publique, politique, va demander aux gens est-ce que vous avez envie ou pas de payer, moi je connais la réponse. Donc toute la difficulté, elle est dans la façon dont on va présenter les choses. Si on vous dit par contre à 10 centimes, vous risquez d'avoir 3 coupures par jour, est-ce qu'à 12 centimes, vous acceptez de le payer pour avoir un service de l'énergie ou de l'eau qui est parfaite? Les gens vont se poser la question. Moi, je l'ai déjà fait dans des collectivités en France, avec des maires qui avaient besoin de justifier l'augmentation des impôts pour créer une police municipale. Ils sont allés vers la population en disant « Est-ce que vous êtes prêts à avoir une légère augmentation des impôts pour plus de services ?» Ils n'avaient pas dit que c'était combien. À cette question, les gens ont répondu oui. La bonne surprise, c'était que 2% d'augmentation. Donc là, par contre, c'est tout un problème de gouvernance politique qui me semble extrêmement important. Et pour répondre à madame, sur en tout cas les aspects santé, c'est évident que le PPP, non pas concession, mais PPP social, est un excellent outil pour éventuellement demain faire des hôpitaux avec, en plus, puisque j'avais oublié de le dire tout à l'heure, mais j'insiste là-dessus, avec un avantage, que ce soit pour les hôpitaux ou pour les crèches ou les écoles de notre ami égyptien, c'est que
L'avantage du PPP par rapport à un marché public, c'est que si vous livrez un hôpital, dans 25 ans, il aura la même valeur résiduelle, il sera de qualité, et je considère par rapport à un marché public, bien sûr, ça rigidifie la commande publique et le coût de l'endettement, mais en même temps, à quoi bon faire l'investissement dont on ne sait qu'on n'est pas capable de l'entretenir et le maintenir. Donc il faut une forte responsabilité, je pense, en amont de la personne publique pour se dire « je le fais, et dans 25 ans, je ne vais pas détruire, j'aurai un service public de qualité et des hôpitaux de qualité ». Monsieur Alix, ensuite Monsieur Mourahib, et ensuite je donne à Monsieur Janssen et Monsieur Chérif pour que l'on conclue. Oui, juste deux mots pour compléter peut-être ce qui vient de dire sur le secteur de la santé. Il y a des exemples de PPP en Afrique. Il y a eu un exemple assez réussi, je crois, de clinique développée au Lesotho, oui, par la SFI. Il y a pas mal de publications sur cet exemple. Il y a eu, je crois, une tentative, mais qui a avorté à Cotonou. Et puis, j'étais récemment à Dakar, et il y a une opération de partenariat public-privé qui a été mise en place sur l'hôpital de Mbour sur simplement l'imagerie médicale et tout ce qui est radio, tout ce qui est scanner, etc. Et là où le PPP inclut aussi la dimension service médical autour de l'équipement. Je voudrais dire un dernier mot à monsieur sur peut-être les usagers et dans les services publics urbains, distribution d'électricité, distribution de l'eau. Je pense qu'on voit un petit peu tous les exemples. On a été conseil de l'État du Cameroun pour la mise en concession de la distribution de l'eau, qui a d'ailleurs été remportée par un opérateur marocain. La mise en place de cette opération, simplement sur les économies réalisées en termes d'approvisionnement et de gestion des stocks, a permis, au moment du démarrage de la concession, d'enregistrer une baisse des tarifs de 17%. Donc, ça, c'est pour dire qu'il y a des exemples dans les deux cas, pour dire qu'effectivement, la pratique usuelle, c'est que c'est l'État qui représente les usagers, puisque c'est lui qui est le garant de l'intérêt général. À mon avis, ça n'empêcherait pas que des associations locales d'usagers puissent être consultées, mais en principe, c'est quand même le rôle de l'État. Et ensuite, je vais revenir à ma marotte qui est préparation, préparation, préparation. Mais quand vous développez un projet autour d'un service public de cette nature, dans le cadre de la préparation, vous faites vos études sur le coût du service. Vous regardez quels sont les objectifs que vous allez imposer à votre délégataire en termes d'augmentation de la desserte. Ça correspond à quel niveau d'investissement, ça correspond à quel niveau de coût d'exploitation. Vous regardez ce que ça donne avec le tarif, vous regardez si c'est socialement acceptable ou pas, et à la fin, l'État doit arbitrer entre ce qu'il va prendre en charge via l'impôt, en subventionnant éventuellement le service, ce qu'il va laisser à la charge des usagers, ou éventuellement en revoyant à la baisse ses ambitions en termes d'augmentation de la desserte. Donc c'est un équilibre qui est très fin, qui peut évoluer avec le temps. Et c'est pour ça qu'il y a une dimension dans la durée des partenariats publics-privés qui est importante et qui doit être traitée dans les contrats. Et c'est une partie très fine de la négociation. Mais je ne crois pas que, de façon générale, on puisse penser que les usagers sont oubliés et qu'ils sont laissés pour compte dans ce genre d'opération. Ok. Moustapha ? Oui, très rapidement, sur la santé, je voulais juste dire que les premiers PPP en France, c'était dans le secteur de la santé au début. Enfin, pas PPP, c'était des concessions, mais on a essayé de trouver un moyen. Mais l'idée, c'était une loi au départ pour le secteur de la santé et pour essayer de développer ça. Donc, il y a des exemples à l'hôpital de Caen ou autre. Donc, mais encore une fois, votre question, c'était de savoir s'il y a beaucoup de sujets d'activités ou de champs d'infrastructures, et comment est-ce qu'on priorise? Ça, c'est encore une fois l'État, et comment est-ce qu'on distingue l'urgent, l'important, etc. Moi, à mon sens, si vous me posez la question, c'est d'abord l'énergie. Vous n'avez pas l'hôpital si vous n'avez pas l'énergie. Donc je pense que si on devait mettre un gros push en Afrique, c'est d'abord l'énergie,
mais vous avez raison, il y a ces chantiers de la santé qui sont importants et de l'éducation. Mr. Jensen and after Mr. Sharif. Oh, Mr. Sharif, okay, go on. Go ahead. I think the distinguished members in the conference brought a dimension which is very important to the panel that we have not addressed as and stressed as much, which is basically the citizen, the user, the client. To me, the role of government is to serve the citizen. To me, the role of any triple P is as well to serve the citizen. But as well as, which has been brought to the discussion, and we need to put it in context, we don't need greedy private sector. We don't want, as well, to have greedy governments. But as well as greedy governments and greedy private sector, we don't want to have greedy citizens. So I think the balance between the three is what is needed to have a proper triple P, which is the right price for the citizen given a service that is guaranteed and protected by the governments, and as well that provide a proper returns so that the bankers sitting here on the panel would be happy, the governments would be happy, and the citizen would be happy. And this balance is a process evolution in the life of nations, and we should not expect that imperfect markets would produce overnight perfect societies. And we in Africa, we have not reached perfect markets as defined in North America schools of business, Harvard and MIT. So we are living the reality under transition, and we need to balance it incrementally and make sure that this is happening. Yes, I hear you very well about the issue of electricity here in this city. I would like to bring to the panel a success case in a certain period. I was involved with a group who built the first private city. As a matter of fact, one of the most successful private city being built. And there are 250,000 who are happily there. And I remember in the late 90s, the issue was that basically we were brainstorming about how can we provide an apartment or a villa for a new graduate? I recall the price then for an apartment was 70,000 Egyptian pounds. In today's terms, it's less than $10,000. The message that I wanted to say, that 10 years later, everyone who put a pound gained 10 as much. So he put 70, his apartment became worth 700. Don't you think he's happy? Sure. Extremely happy. And in addition, the city was developed on the high standards of the world, gardens, sport clubs, name it. It's a happy city, to make it short. Green, everything done by the book. So this is a model of how did the triple P provide it? The government provided then the land exactly for 70 pounds, and the private sector 100% took it forward, provided this world-class model. But a few years later, the government woke up and said, this private sector company is making a lot of money. We need to take part of it. So the agreement after many quarrels was to take part return in terms of apartments. To make a long story short, after 15 years, the model that went into stepwise refinement became a standard model now for other developers to be done. Think about if we have distinguished regulators here, and if we have one law
that will develop, say, 100 cities and given to all developers in a transparent way with the price of a land. I mean, we have in our country, we have 93% deserts. How this would bring down the prices of the development if you have proper competition. So the government here has a role as a regulator to bring the price down and to help as well through the associations that have been mentioned, through consumer protection capacities. But do you think that this will happen without evolving in democracy? So there is a dimension, a political dimension that's important, in addition to the social dimension. So in other words, what I think I'm going to push a bit about the greed thing. Greed happens when people are not informed, when people do not express their choices, when the voice is not there, okay? Bottom line, back to the main points, we need stability, we need peace, we need democracy, and in order for all of this to happen, we need knowledge, education, because you cannot at all have democracy without educated people. Thank you very much, Mr. Sheriff. Thank you. I think that all these panelists merit your applause. Donc vraiment, vos applaudissements pour les panélistes. Gouvernance, démocratie, projet bancable, préparation, financement. Je pense que c'est des sujets classiques qui reviennent pour les PPP. Donc Monsieur Sheriff a dit qu'il a suffisamment parlé de PPP, qu'il veut plus en parler. Moi, je dis, bon, j'ai suffisamment parlé aujourd'hui, donc je céderai la parole aux autres pendant les jours à venir. En tout cas, bonne suite des Med Days. Et merci encore une fois à tous ces intervenants éminents.